Allô? Oui chérie. T'as besoin de moi maintenant là? Tu avais 15 là. Bon bah écoute, je vais venir là, j'arrive. Ok. Allez, bisous. On est là, ça bouge pas. Donc aujourd'hui, dimanche 7 avril, c'est 16h. Donc d'habitude, dans le Casdar, qui est mon programme de musculation, que vous pouvez suivre d'ailleurs, donc je m'entraîne 6 jours sur 7. Donc le dimanche, comme vous l'avez compris, il n'y a pas de jour de musculation dans mon programme. Donc là, ce que j'ai décidé de faire, chose que je ne fais pas habituellement, mais voilà, de temps en temps, le cardio, ça fait du bien, et plus précisément, le fractionné. Donc je me suis rendu sur une piste d'athlétisme sur Grenoble. Et donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai pris une distance de 50 mètres, je vais taper des sprints, je vais me reposer bien sûr entre chaque sprint de 50 mètres, ça sera propre à ma récupération, et je vais voir aussi, suivant mon état de forme, voilà, combien je vais taper de sprints, ça peut être entre 5 et 10, je vous dirai à la fin combien j'en ai tapé. Et voilà, tout ça pour dire que le cardio, c'est très important aussi, l'activité cardiovasculaire, même si dans mon programme, le Casdark, on travaille sous forme aussi, plus ou moins, on est en aérobie, voilà, en endurance, malgré qu'on fasse de la force et du volume, tout simplement. Ok, fractionné terminé après l'effort, le réconfort. Donc comme vous avez pu le voir, il y a de la dinde, il y a du riz et il y a des courgettes. Donc protéines, glucides et fibres. Genre, en ce moment, je regarde pas trop ce que je mange. Tout simplement parce que ça m'a un peu pris la tête. Mais bien évidemment que, comme je l'ai déjà dit, on a des notions hein, au niveau des macronutriments. Donc les macronutriments, c'est quoi? C'est protéines, glucides et lipides. Donc en plus, de toute façon, par rapport à mon programme, donc le Casdark, comme je viens de vous le dire précédemment, c'est axé aussi sur le cardio. Donc ça me permet, on va dire, si j'ai des quantités de nourriture trop importantes, ou si des fois je fais des écarts, et bah tout simplement de garder cet aspect propre. Bah, je vais un peu plus brûler de la graisse et augmenter mon métabolisme qu'une personne qui par exemple s'entraîne en split, qui fait qu'un seul, je critique pas la manière, cette méthode-là, hein. Je critique pas le split parce que moi-même je l'ai eu pratiqué. Mais voilà, je vais avoir tendance, on va dire, à brûler un peu plus de graisse qu'une personne qui s'entraîne de cette manière-là, tout simplement. Allez, bon appétit. Bon, la team, épisode supermarché course. Nous sommes en train de faire les courses de la semaine. Ça, les gars, c'est une valeur sûre. C'est soit vous êtes un champion, soit vous ne l'êtes pas. Mais pour tous les gros pousseurs de la salle, ça, c'est une valeur sûre. On est exactement dimanche, il est, je crois, 10h. Là, je galère parce que j'ai deux trucs à prendre. Hop. Donc je vous explique le programme de tout à l'heure. On va. C'était l'anniversaire de ma soeur. C'était le 24 février. Et en fait, on n'a rien fait pour son anniversaire. Et du coup, là, c'est dimanche. On a réservé un escape game. Donc on va aller faire un escape game. Je crois que la thématique, c'est détective ou résoudre une énigme ou un truc comme ça. Donc on sera en détective privé, je crois. Je vous filmerai un peu ça et puis comme ça je vous emmène un peu avec nous les délires qu'on a à l'intérieur de cet escape game. C'est pas le premier que je fais. J'en ai déjà fait un avec Juliette et oui Juliette c'est elle. Voilà. Pour ceux qui savaient pas, on l'a déjà fait avec ses parents et on était déguisés tous en moines. Donc c'était assez marrant, on va voir ce que ça donne là pour celui-ci. Donc voilà, on finit de faire les courses. Beaucoup de choses très caloriques à l'intérieur, mais voilà, on essaie toujours de rester un petit peu clean. Mais voilà, je suis en prise de masse, donc pas que je m'en fous, mais voilà, mon but n'est pas le même que les années précédentes. Voilà. Alors, deuxième valeur sûre, les gars. Franchement, quand vous allez au supermarché, dites-vous qu'il y a des produits phares pour prendre du muscle. Voilà, celui-là, on en fait partie d'un. Voilà, surtout celle qui est à la bolognaise, hein, d'accord.
Et puis on va en prendre une très protéinée, d'accord. Surtout, n'oublie pas les protéines, très important. Et puis on va prendre une comme ça. Voilà. On est très très bien. Alors je vais vous dire combien il y a de protéines à l'intérieur. Peut-être que vous n'en savez pas, mais pour 100 grammes, il y a quand même 4 grammes de protéines, les gars. C'est pas donné à tous les aliments. Ok la team, on est à la salle. Donc je me préchauffe un petit peu, comme je le dis, je fais les épaules. Juliette derrière, elle a un full body. Donc des programmes femmes qu'on a fait sur Unity. Donc qui arrive très bientôt, une fois que la plateforme, le site internet sera en place, vous aurez la possibilité de le suivre mesdames. Donc là, elle commence avec les squats. Et derrière, elle commence par la partie inférieure et puis après elle passe à la partie supérieure, donc tout ce qui est haut de corps, dos, épaules. Voilà. Et moi, je vous montre tout de suite, il y a un exercice qui est intégré dans le AKM volume 3. Donc c'est un combiné d'épaules et de jambes. Donc, je vous montre ça tout de suite. Très bonne sensation. Épaules et jambes combinées. Il est vraiment pas mal cet exercice. Alors attention de ne pas trop charger parce que vous avez une distance à parcourir avec les fentes. Donc pour pouvoir effectuer l'exercice dans sa bonne forme. Note sur 10. Le premier là ? Ouais. Moi j'aurais 7 sur 10. Ouais. Parce que c'est pas. On sent que c'est pas forcément super grave quoi. Ouais, mais c'est pas trop épicé. Ça a pas trop de goût en fait. Peut-être plus d'épices, mais. Marie, mais il mais y a quand même une bonne. Un bon point. Ouais. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de matière grasse. Il y a beaucoup de tomates, de la salade. Voilà. Salade tomate-oignon. Ok, écoutez la team. Alors on a trouvé les clés. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce escape game On a trouvé les clés, ensuite on a trouvé les flingues, on a trouvé les cartes, mais je suis désolée de vous dire qu'on n'a pas réussi à sortir. On n'a pas réussi à sortir. Et en plus de ça, en sortant, on s'est pris la pluie, d'où mon super brushing, voilà. Voilà. On n'a pas du tout réussi, on avait un temps maximum. Donc on avait grosso modo on avait une heure pour sortir, donc on n'a pas réussi. Mais c'était quand même bien complexe. Hein,
Voilà, c'était quand même bien complexe. Il fallait, en gros, on était des flics, c'est ça? Ouais, des flics. Faut pas croire qu'on était des zandiques. C'est juste que les mecs, c'est super dur. Genre, t'es là, tu peux pas faire comme tu veux, en fait. Je peux pas vous spolier, hein. Mais voilà, c'est compliqué. Voilà, c'est un peu compliqué, mais voilà, on est des flics. Et le but, c'est de sortir de la pièce et en fait, on a des mafieux sur notre cul. Excuse-moi pour les. Il faut se dépêcher. Et il faut se dépêcher. Voilà. Donc c'est, je trouve que pour le deuxième, comment dire, escape game qu'on fait, celui-là était un petit peu complexe quand même. Voilà. Ouais, super complexe. Super complexe. Mais c'était un bon moment, c'était cool. J'ai pas pu vous filmer les machins parce que. Au bout d'un moment, elle m'a vite rattrapé et il y avait. Elle a dit le monsieur avec le téléphone, ça va pas le faire. Hein. Voilà. Si ça continue, ça va pas continuer. D'accord. Donc du coup, j'étais obligé de couper tout ça, mais j'ai quand même pris le début. Vous avez vu quand j'étais menotté. Et on était tous menottés, bandés, les yeux, machin. C'était, waouh, c'était marrant, c'était marrant. Voilà. Donc là, on rentre. On va sortir le clubs et puis on va se faire un petit truc à manger, je pense. Je sais pas ce qu'on va manger. Ouais, je pense qu'on va plus pas se prendre trop la tête. On va diriger vers, comment on appelle ça, la facilité. Voilà. En fait, ça s'appelle la facilité. On va se faire des pizzas. Et ouais. Ouais, nous aussi, on est comme ça. Ce soir, c'est pizza, et puis pizza, dodo. Et puis voilà, demain est une nouvelle journée. Bon, ben la team, je vous dis bonne soirée à tous. Enfin, soir ou matin, je sais pas à quelle heure vous allez regarder ce vlog-là. Et puis, encore une fois, le mot de la fin, l'unité. La force. Oh, ça, l'équipe. C'est un mélange de folie tous les matages, c'est un cocktail explosif, ça va vous réveiller. Dedans, il y a gingembre, il y a piment de cayenne, voilà, curcuma, fenugrec, poivre noir. Pouah, autant vous dire que c'est une dynamite. Et ouais, comme j'ai dit, tous les matages, je prends à jeun et ça réveille de ouf. Testez l'équipe. Donc, programme de la journée. J'ai plein de choses à faire, donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller au coiffeur. Ensuite on va passer à Fitness Boutique, récupérer de la protéine et s'entraîner aussi après. Voilà, et ce soir je reçois mon ref Kev avec sa dulcinée et voilà, je vais leur concocter un petit truc. Ça sera du poulet aux olives avec des pommes de terre. Ça c'est pour le plat chaud, en entrée une bonne salade composée et en dessert une salade de fruits. Voilà, ça reste propre. Et puis, je crois que j'ai fait le tour. On est parti. Alors, fais-moi les malins là, hein, quand on voit tous cette panoplie d'affaires de randonneurs de première classe. Fais-moi les malins. Sponsorisé par Unity System, hein, d'ailleurs. Hein. Petit pull d'ailleurs, très efficace, qu'une matière faite pour la rando aussi, hein, d'accord, vu qu'on reste toujours dans le terme du sport. Aujourd'hui les gars, c'est randonnée, on va se balader là. On va à la dent du chat. Petite balade improvisée, on vous emmène avec nous. On va rigoler. On rejoint le même pote hein, qui, dans le vlog précédent, avec qui on est allé voir à Lyon, qui fait des grills. Et au fait, ils annoncent super super beau, donc très bonne journée en perspective. Alors,
délices de l'huile verte. Vous êtes nombreux dans cette petite boulangerie. On est venu prendre des recharges pour la rando. Oui, bonjour. Un suédois. Tout ce qui est bon à l'intérieur. salade, un petit peu de sauce toujours, hein, n'oublie pas. Salade, tomate, oignon. Salade, tomate, oignon, n'oublie pas tout ça. Là, c'est le moment où il faut donner le mérite de votre boulangerie. Hein, si vous voulez manger du bon pain et les bonnes pâtisseries, bah, venez ici. Tout Tim, je vous explique ce qui se passe. Ça fait combien de temps qu'on marche? Ça fait une demi-heure. Nombreuses péripéties ont croisé notre chemin, dont des dénivelés bien importants. On doit rejoindre nos amis, nos chers et tendres amis, qui sont à 1 heure. Donc la dernière fois qu'on a passé le panneau, on était à 1 heure. Donc voilà. On va poursuivre, oula, faites casser la gueule. Rigole pas parce que, hein, regarde où tu marches, toi. Wow, ouais. Eh ouais, j'ai failli passer. Je vous attends. Les chamallows. Ça va pour toi? Putain, comment il va? Tranquille. Tu vas bien? Les Unity System Team. Et du coup, donc ils ont campé hier, c'est ça? Voilà, c'est ça, hier soir. Ouais, ils sont partis de point de départ, c'était Lyon, donc vous avez fait Lyon voiture, vous êtes arrêté. Voilà, juste en bas par là, on est arrivé par là nous. D'accord. Voilà, et puis on a campé là. Et ça va, la nuit n'était pas trop fraîche. Franchement non, ça va. Vous voyez là, le deuxième. Aventurier, il est là, hein, il est présent. Hein. On va poursuivre où en fait exactement? Alors nous allons au Dent du Chat. Et voyez-vous, il est stipulé ici, passage câblé sous votre responsabilité. Dangerous. Mais. C'est dur. Ah là, quand vous voyez de la neige comme ça, là vous savez que vous êtes à une sacrée hauteur. Allô? Oui chérie. T'as besoin de moi maintenant là? Tu avais 15 là. Bon bah écoute, je vais venir là, j'arrive. Ok. Allez, bisous. Ah bon, donne-moi pas hein, frérot. Bonjour. Là c'est chaud là. Sûr. Ah, faut que je rentre, faut que je fasse les courses.
J'ai pas beaucoup de temps et je pense pas que je peux m'entraîner. Donc ça va. T'as frérot, on a dit, on se voit là la grosse séance. T'as quoi comme séance là? Faire un full body. Pec, jambes, épaules, abdos, dos, la totale. Tu sais quoi? Je vais essayer de reproduire la même chose, mais à la maison. Et je pourrais pas venir en salle avec toi. Oh, tu comptes faire comment? Bah, je vais trouver une astuce, hein. Travailler sur l'isométrie, explosivité, tout ça. Avec des élastiques, quoi. Ouais, avec du matos, voilà. Ouais, lourd. On fait comme ça? Ouais, vas-y. Allez. System, Kazma, Kefichu. Donc aujourd'hui l'équipe, comme vous l'avez compris, voilà, Kef il a pas pu s'entraîner avec moi, il a eu un impératif, il doit aller faire des commissions, il a le frigo vide. Donc aujourd'hui ce qu'on va voir en fait, comme vous l'avez compris par rapport au titre, donc c'est la salle versus la maison. Donc pour ceux qui ont la possibilité de venir à la salle, donc tant mieux, moi je vais, ça sera ma partie, je vais vous expliquer comment travailler l'ensemble du corps. Et pour la partie de Kef, eh ben, il va vous expliquer comment travailler de manière, on va dire, kiff-kiff à la maison. Avec voilà, de l'explosivité, de l'isométrie et des petits accessoires. Donc comme vous pouvez le voir, je suis sur un tapis de course, on va faire du cardio. Alors pour ceux qui ont vu l'univlog 1, j'avais dit comment faire du cardio sans faire du cardio. Donc comment ne pas utiliser ces appareils-là pour faire du cardio. Mais malheureusement, voilà, on va dire qu'il y en a beaucoup qui privilégient ces appareils-là, on n'a rien contre. Donc c'est pour ça que je suis là-dessus. Donc il va y avoir une multitude de manières de travailler sur un tapis. Il peut y avoir du fractionné, il peut y avoir augmenter la durée de la course, il peut y avoir augmenter la pente, voilà. C'était juste pour mettre une partie cardio et Kef, il vous présente tout de suite ce qui sera un peu plus intéressant, je pense, comment faire du cardio à domicile, sans appareil. Ok, donc comme il a dit Kaz, pas besoin de machine cardio, on va trouver une technique pour substituer le tapis de course. Alors, l'exercice en question, c'est les montées de genoux. On va fonctionner de cette sorte-là. Exercice en fractionné, 30 secondes de récupération, 30 secondes de travail. Et bien évidemment, on va essayer de reproduire 5 fois. C'est juste l'échauffement, on situe bien les pieds, largeur de hanche, on envoie les genoux en direction de la poitrine. Toute cette partie-là, donc la partie abdominale, est bien gainée. Posture bien droite, le regard droit devant et on y va. Ok l'équipe, comme vous le voyez, je suis sur la bande développée couchée. On va travailler les pectoraux et plus particulièrement la partie du milieu. Donc je vais rapidement vous montrer le mouvement, même si on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour décortiquer le mouvement, mais plus pour vous proposer un exercice en salle pour travailler les pectoraux, donc en l'occurrence celui-ci le développé couché, et une alternative à peu près similaire à la maison que Kef va vous proposer tout de suite. Ok, l'alternative que je vous propose pour le développé couché, ça sera des pompes claquées. Pourquoi? Tout simplement, nous n'avons pas de poids, pas de charge, donc on va essayer de compliquer la tâche de l'exercice en rajoutant de la pression, une petite impulsion, en serrant les abdos. Et avec la pression de notre poids, on sera obligé de retenir la charge de notre poids. Donc en fait, c'est comme si, entre guillemets, vous avez de la charge en plus. Vous pouvez utiliser donc les accessoires que vous pouvez avoir à Fitness Boutique. Bien évidemment, avec le code promo UNITY10, vous avez les moins 10%. Ce sont des perfect push-up. Voilà, elles vont amplifier la contraction quand vous allez faire une rotation de votre poignet vers l'intérieur. Très simple, très efficace. Ça peut aussi remplacer des pompes classiques. Un exercice aussi très efficace pour travailler les jambes, c'est le squat. Voilà. À la barre libre, encore plus efficace que si c'est, on va dire, sur une machine guidée, la Smith Machine. Donc là, on va travailler vraiment l'ensemble des jambes. Je m'explique, quadriceps, ischio et fessiers. Voilà, ce qui va être important là, c'est d'avoir, on va dire, le haut de la cuisse parallèle au sol. C'est là où la tension musculaire, elle va être la plus importante. Faire attention à pas trop descendre. Pourquoi? Parce que parfois, le bassin, il part en rétroversion. Mais voilà, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là. Et Kef, il vous propose tout de suite une alternative à la maison. Prochain exercice pour substituer le travail des jambes en salle avec de la charge. C'est exactement pareil que les pompes, les amis, avec l'impulsion que vous jouez du poids, de votre charge, pour ajouter de la difficulté. Alors là, pour les jambes, c'est exactement pareil. On va bénéficier de cette impulsion du squat jump avec l'amorti pour rajouter de la pression sur vos quadriceps. Bien évidemment, la consigne est toujours pareille. Pied largeur de hanche, on va fléchir, excusez-moi, largeur d'épaule. On va fléchir bien les fesses vers l'arrière
Et nous, on va dépasser la pointe de pied, bien évidemment. On va donner l'impulsion, pousser dans les jambes et atterrir. Let's go. Donc c'est vrai que je n'ai pas signalé au départ, mais comme vous l'avez compris, on est sur des exercices polyarticulaires où il y a plusieurs articulations qui entrent en jeu. Pourquoi ? Parce que c'est les exercices les plus efficaces que par rapport à l'isolation où il y a une seule articulation qui entre en jeu ou de l'unilatéral. On va essayer de privilégier au maximum ces exercices-là, même si il y a, par exemple, pour les épaules, au poids du corps, il n'y a pas vraiment de possibilité pour un exercice polyarticulaire. Ça sera de l'isolation. Donc après les pecs et les jambes, on va venir travailler le dos à travers un rowing à la barre libre, buste penché. Et toi, Kev, t'as quoi à nous proposer? Alors moi, je vous propose pour le rowing, intérieur de maison, petit outil, training câble, aussi disponible à Fitness Boutique. Vous allez jouer de la résistance pour travailler votre dos, vu que vous n'avez pas de poids. On va essayer de contrôler toute la partie excentrique, donc relâchement des grands dorsaux. Et sur le concentrique, on va exploser. D'accord ? Cette fois-ci, on va essayer de jouer avec le temps. On va essayer de le faire sur un maximum de répétitions, sur un maximum de temps. Là, ici, on va essayer de voir si on peut aller à une minute de travail et 30 secondes de récupération. À répéter, bien évidemment, entre 5 et 8 fois. Après, si vous pouvez aller plus loin, c'est votre challenge. Donc, comme je vous l'ai expliqué dans l'exercice juste avant, ici, on va pas pouvoir faire un exercice polyarticulaire. Pourquoi ? Parce que ça va être compliqué de le reproduire à la maison. On va partir sur l'isolation, il y a une seule articulation qui entre en jeu. Donc, pour travailler les épaules. Plus particulièrement, le faisceau latéral qui va donner cet aspect de largeur et galbé, tout simplement. Kev, qu'est-ce que tu proposes ? Alors, pour ma part, pour les deltoïdes, on va encore utiliser cet accessoire de torture. On va totalement isoler, bien évidemment, jouer de la résistance. Comme il vous l'a dit, Kaz, difficile d'exécuter des exercices polyarticulaires à la maison. En général, à la salle, on fait plutôt du développé militaire, développé haltère. Donc, ce qu'on va faire à la maison, jouer de la résistance, retenir la phase excentrique, exposer en concentrique. 3 x 15, un petit temps de récupération de 45 secondes et on est reparti. Alors pourquoi je fais ça? Parce que cet exercice souvent, donc on vient agripper les cordes et en fait le fait de tirer, donc c'est des crunchs, hein, je vais vous montrer l'exercice tout de suite, on va dire que ça coupe un peu la respiration. Voilà, et ça fait la tête rouge. Donc là, comme vous l'avez compris ou pas, on va venir travailler donc le grand droit. Le grand droit, c'est quoi? C'est le six-pack. Donc c'est les muscles superficiels, donc les abdos, hein, tout simplement. Et on va voir ce que Kev propose à la maison. Ouf, j'avais soif. BCA, les amis, hein. Pas du pétrole, hein. Et avec un petit peu de créatine. La BCA, c'est optimum chez Fitness Boutique, toujours disponible. Alors, pour le dernier exercice, les abdos. Kaz, comme il vous l'a dit, il utilise de la charge. Alors nous, on va jouer de la résistance. Toujours pareil. Quand on dit résistance, on va jouer avec la corde. D'accord, l'élastique. Alors si vous avez un petit point d'appui ou un point où vous pouvez accrocher votre élastique chez vous, c'est le mieux. Plus vous allez tendre l'élastique, plus la difficulté sera accrue. Bon l'équipe, on espère que ce vlog vous a plu. Et que les exercices vont vous aider tant à la maison qu'à la salle de sport. Partagez si vous pensez que ça peut aider certaines personnes. Et abonnez-vous sur YouTube, sur Instagram, sur notre Facebook. Tout ça est bien évidemment inscrit en fin de vidéo. Parce que n'oubliez pas l'équipe unité. C'est la force. Ah c'est bon gros, tu peux t'arrêter. Putain, tu m'as fait transpirer gros, ça met la mort. Alors moi je vous propose, c'est ça hein. Possible, polio. Pour le développer, que l'exercice et que les exercices, frère. Et j'espère que l'exercice, et ça va finir en strangulation, c'est toi. Attends.